Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit et que vous avez effectivement entamé le vendredi de bonne humeur. Les amis, je vous ai dit, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas pressé, je prends le temps de réfléchir, d'analyser et d'observer avant de me prononcer sur les choses. Je ne suis pas quelqu'un qui est brut en matière politique, je ne suis pas quelqu'un aussi qui avale effectivement les on-dit ou j'aurais appris, non. Je prends toujours le temps de toucher du bout du doigt les réalités. Je ne juge pas quelqu'un parce que quelqu'un m'a dit que telle personne est comme ça. Non, 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 non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi, moi, je prends le temps maximum, le temps qu'il faut pour apprendre, le temps qu'il faut pour observer, le temps qu'il faut pour synthétiser, pour analyser, le temps aussi qu'il faut pour me prononcer et le temps qu'il faut pour apprécier ou pour critiquer. C'est pourquoi je laisse toujours le temps au temps de faire ce travail. Les amis, je vous ai dit que au début, je m'étais inscrit dans cette logique de sensibilisation du peuple où je demandais effectivement qu'on accompagne en synergie cette transition dont le colonel Mamadi Doumbouya préside. Les amis, je vous ai dit que le mieux reste à venir. Et que je ne vais pas fermer les yeux. J'ai jamais fermé les yeux. Je m'étais justement métamorphosé, m'adapter et, comme je vous ai dit, effectivement demander au peuple à ce qu'on accompagne cette transition. Mais du jour maintenant au jour, du jour au lendemain, je découvre des choses nouvelles. Et vous savez qui je suis. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. À partir du moment où j'ai la réalité sous les yeux, j'ai la réalité sous la main, je n'ai pas froid aux yeux, mesdames et messieurs. Alors, je dis au colonel Mamadi Doumbouya, colonel, vous savez que vous ne faites pas les choix des cadres que vous nommiez. Vous savez très bien que vous êtes accompagné par une équipe. Vous savez très bien qu'il y a des gens autour de vous qui vous aident à faire le choix ou les choix, si vous voulez. Colonel, alors je vous dis aujourd'hui qu'il y a un deal autour de vous, un deal, quand je dis un deal, un véritable deal étatique. Des mafieux. Parmi ceux qui vous entourent, il y a des mafieux, pour ne pas dire ils sont tous des mafieux. Ce sont des dealers, colonel. Et quand je dis ce sont des dealers, effectivement, c'est des gens qui prennent de l'argent avec les personnes que vous nommez, les cadres que vous nommez en des postes. Parce que vous ne connaissez pas tout le monde, colonel. Tous les cadres qui viennent là, tous les cadres que vous choisissez là, tous les cadres que vous nommez là, on prend d'argent avec les 85% ou les 90%. Bien évidemment. Et puis, ce n'est pas des petites sommes. Oui, c'est des sommes qui varient souvent entre les 20 000 euros, 25 000 et 30 000 euros. Valeur de 200 millions de francs guinéens, 300 millions de francs guinéens. Il y en a qui vont jusqu'à 35 000 euros, colonel. Alors, c'est là le problème. C'est pourquoi, là, vous faites des décrets. Après, vous vous rendez compte que ce sont des mauvais choix, colonel. C'est là. Alors, prenez conscience. Chers amis, quand on dit que le colonel est mal entouré, il est mal entouré là. Tenez, pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui me disait, Monsieur Kanté, voilà, vous avez commencé à dire que le colonel est mal entouré. Est-ce que vous pensez que le colonel est influençable? C'est un militaire, on ne peut pas l'influencer, son entourage ne peut pas l'influencer. Je dis là, vous faites une erreur. On ne peut pas influencer le colonel Mamadi Doumbouya physiquement, ça c'est vrai. On ne peut pas l'influencer en quelque sorte militairement parce que c'est un stratège. Mais on peut l'influencer dans les décisions, effectivement, l'influencer comment? En faisant ce deal-là. Et j'ai la certitude aussi, oui, j'ai la confirmation aussi de cela. Donc nous allons frapper, framponner ces gens-là. Parce que ce qu'ils font là, ils sont en train de trahir le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'on faisait avec Alassane Conté. C'est les mêmes pratiques qu'on faisait avec Alpha Condé. Et c'est les mêmes pratiques maintenant qu'on fait avec le colonel Mamadi Doumbouya. On prend de l'argent aux gens, on leur dit. Voilà, tu seras nommé à tel poste, tel poste, tel poste, tel poste. Et effectivement, mais le plus souvent aussi, ce sont des cadres, d'accord? Ce sont des intellectuels. Mais le simple fait, le fait qu'on prenne de l'argent avec eux et qu'on aille faire de la sélection autour du colonel, écoutez, mesdames et messieurs, quelqu'un qui prend de l'argent avec vous, lui fait partie de ce cercle bien fermé du colonel Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire des gens qui l'aident à prendre des choix, à nommer des gens ou à laisser les gens ou à démettre des gens de leurs fonctions. Mais quelqu'un qui a pris de l'argent avec vous, ou bien un groupe de personnes qui a pris de l'argent avec vous, votre liste est là, c'est-à-dire la liste est là, votre nom est dedans. Mais ils vont dire quoi au chef?
Ben écoutez, ce monsieur-là, c'est un homme intègre, c'est un patriote, c'est un intellectuel. Franchement, on voit en lui toutes les qualités d'occuper ce poste-là. C'est ce qui se passe aujourd'hui, à l'instant T même. Nous avons la confirmation. Et d'ailleurs, la plupart des gens avertis en Guinée, ils savent aussi comment ça se passe. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et le colonel, je ne dis pas qu'il est au courant de ce deal, parce qu'on ne peut pas l'avertir. Parce que quelqu'un qui prend 20 000, 30 000, 35 000 euros avec les gens pour leur donner les postes, vous pensez que le colonel peut être impliqué là-dedans? Non. 30 000 euros quand même, il va faire quoi avec ça? Mais ce sont ces gens-là qui l'entourent, effectivement. Parmi eux, là, il y a des mafieux. Je ne dis pas que tous sont des mafieux, mais parmi eux, il y a des gros dealers. Et ce sont eux qui influencent les décisions du colonel. Évidemment, je vais revenir un peu plus tard dans la soirée pour développer encore et pour framponner ces malhonnêtes, ces mafieux, ces trahisseurs, effectivement, de ce fils. Patriotes de la République de Guinée, je vous ai dit qu'on ne va plus fermer l'œil là-dessus. Ça, c'est fini, ça. Ce bénéfice de doute-là, on a dit qu'il faut accorder le bénéfice de doute. Ok, le bénéfice du doute, on va accorder au colonel, mais pas vous. Et c'est vous qui êtes les plus dangereux, parce que c'est vous qui influencez les décisions du colonel. Effectivement. Quand on dit influencer, là, c'est là. C'est vous qui faussez les décisions, c'est vous qui faussez les dominations, c'est vous qui faussez les décrets. C'est la même chose qu'on faisait avec Alpha Condé, les mêmes choses qu'on faisait avec l'Ansana Conté, évidemment. Donc, chers amis, je vous laisse vous partager au maximum cette émission pour que dorénavant, nous combattions ces gens-là. Parce que si on ne les combat pas, c'est mort pour la Guinée. Merci beaucoup. Wassalam. Bon vendredi à tout le monde. Partagez largement cette vidéo. Bye.